Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo découverte sur Itildew. Alors je branche juste mon gamepad, voilà, puisque je sais qu'on peut jouer au gamepad. J'ai déjoué un petit peu pour voir en quoi il consistait, hein, comme d'hab. Alors Itildew, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui est sorti il y a longtemps, enfin assez longtemps pour le coup, le 23 juillet 2013, voilà, je suis sur la page Steam, édité et développé par Ludocity. C'est un genre aventure, action-aventure indépendant, c'est un jeu indépendant avec un peu de puzzle aussi. Ça m'a fait beaucoup penser à Zelda, un peu dans le style graphique. Les Zelda en 2D, vous allez voir un peu aussi de votre côté. Et en fait, si je suis sur ce jeu-là 3 ans après, parce qu'il y a Itildew 2 qui a été annoncé là récemment, et j'avais déjà entendu ce nom-là, Itildew, je connaissais déjà un petit peu le jeu sans jamais m'y être vraiment penché. Et là, voilà, en voyant l'annonce du 2, je me suis dit, je vais m'y pencher encore un peu plus, sur notamment le premier jeu, et voir en quoi il consistait. Et du coup, là, j'ai pris, j'ai été voir le premier jeu, puis je me suis dit, bah, allez, petite vidéo découverte, puis peut-être que j'y jouerai plus longtemps, je sais pas. Je ne sais pas du tout, les jeux étant français, comme vous pouvez le voir, donc ça, c'est agréable. Et on va démarrer, donc voilà, j'ai fait 1 minute 42. Voilà, on va effacer comme ça, on va reprendre depuis le début. J'ai toujours la voix Destroy et surtout une toux incessante. Mais là, je sais pas, je vous l'ai dit, depuis la Nekuya que j'ai fait hier soir en fait, j'ai plein de petits jeux à vous montrer, puis j'ai envie d'y jouer en fait. J'ai envie de vous faire des vidéos, donc j'ai envie de faire des vidéos. Donc je l'ai fait, et puis peu importe si je suis un peu malade. Eh bien, voyez-vous ça, une île tout entière qui sent l'aventure à plein nez. J'espère que cette odeur est bien celle de l'aventure. Il y a un marais pas loin. Eh oui. On s'en fiche. Allons explorer cette vieille caverne sordide. Est-ce que ça marche vraiment avec le gamepad? Parce que là, je suis un clavier. Bien, je vais faire une sieste dans le bouton Tipsy. Appelle-moi si tu as besoin de moi. Eh ben non, en fait, on peut pas jouer la manette, lol. Je me suis trompé de jeu. Il me semblait qu'on pouvait jouer la manette, mais... Ah non, c'est un autre jeu encore que je vous montrais. Lol, lol, lol. Donc, voilà, quand je vous disais que ça tombait un petit peu à Zelda, rien que dans les couleurs de notre personnage, donc voilà, ça se présente ainsi. C'est un style graphique très simple, assez bien coloré, mais qui fait son taf. On peut donc avec Z donner des coups de bâton, voilà, avec T avoir des tips, des conseils. On a la map en appuyant sur M, voilà, j'adore la tête. Et je crois que c'est tout, tab, non, on a échappe, bon ça c'est, voilà, et bah, c'est tout. Donc on va explorer un petit peu, donc j'ai fait le début, voilà, caverne du débutant, je n'ai pas été plus loin. Hop, voilà, bon ça, c'est rudimentaire, n'est-ce pas? Là on peut pousser, voilà, là il faut faire, prendre le feu et allumer ici, voilà. Là il faut lire, personne ne passe, tu l'as dit Bouffi, alors n'essaie même pas de frapper le cristal magique qui dort là-bas. Taper sur des trucs jusqu'à ce que l'énigme soit résolue, compris. Donc là, il faut taper ici, et taper là, voilà. Là, il faut frapper le Pokémon, là. Voilà. Tac. Voilà. Là, je vais vite, mais je n'avais pas été plus loin la dernière fois. J'ai fait que ça la dernière fois, donc là, je me suis mis un petit peu, et maintenant... Une vraie vidéo découverte. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est très rudimentaire aussi dans le gameplay, puis dans les formes. Avec des petites énigmes comme vous avez pu voir. J'ai déjà la moitié d'un cœur là, je me suis pris des dégâts. Le château, colline Platypane et les marais. Donc on va découvrir ça un petit peu. Je sais pas si ça m'amènera à faire une grande aventure ou pas. Je ne connais vraiment pas grand chose sur le jeu. Ah bon, j'ai pas trop de choix d'aller autre qu'au château. Oui, une maison là. Oula, un marchand. Waouh, regardez-moi tous ces bidules. Ah merde, j'ai pas fait la bonne voix. Ah, une aventurière, je suis Ethan Carver. Tous ces objets, je les ai fabriqués. Quoi? Même l'espadon? Surtout l'espadon. Alors, de quoi as-tu besoin? Un radeau, s'il vous plaît. Je préfère ne pas m'éterniser. Il n'y a pas d'aventure dans le coin. Oh, mais bien sûr qu'il y en a. C'est de loin l'île la plus aventureuse que tu n'auras jamais vue. Je vais te dire, je te construis un radeau gratis si tu me ramènes un objet qu'on appelle l'artefact. Il se trouve dans le château au nord. En attendant, je parie qu'il y a plein d'or dans le château. Va en chercher et achète-toi quelque chose. Ok, donc voilà, ouais, j'ai 0 pièce d'or, ça sert à rien que je m'éternise ici, en effet.
Le château de Count Dracula. Ouais, ça rappelle énormément Zelda The Awakening, ça. C'est ça, c'est The Awakening sur, sur NES, sur Super NES. Oula. Tu vois cette zone derrière les pics? C'est ici que je surveille. Ok. T'as de la chance que je surveille pas par ici en ce moment, sinon j'aurais dû te planter avec ma lance. C'est ça la sécurité du château. Au moins, ils s'en ficheront si on pille cet endroit. Ok. Il y avait une porte là. Enfin, un passage du moins. Fais tes courses chez Ethan. D'accord. Ok, bon. Ah, peut-être que si je prends le feu là. Non, du coup, je m'ai pris des dégâts. Est-ce que je peux aller juste dans l'autre salle avec le feu? Oui, 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 oui. Hé hé! Oh! Merde. Je peux pousser ça? Non. J'allais reprendre du feu. Ah, et merde, du coup. Vite, vite, vite. Hé hé! Ça va être suffisant là. Oh! C'est quoi que j'ai ramassé là? Ok, alors ça, c'est dégoûtant. C'est un cœur! Où as-tu trouvé ça? Par terre. Elle est en train de bouffer! Ne mange pas ce qu'il y a par terre, et encore moins un cœur! J'ai soufflé dessus. Berk! Ouais, mais ça m'empêche de passer quand même. Bon, c'est pas grave. On aura gagné de la vie. Ok. Allez, venez. Faut que je fasse gaffe. Ok, c'est bon. C'est quoi leur pyjama, là? Le vieux bruit dégueulasse, toi. Ok. D'accord, du coup, on voit les portes qui sont verrouillées, d'accord. Petite énigme. Vas-y. Tac. Ok, bon, ça me remet juste là. C'était fermé avant là? Ah oui. D'accord, d'accord. Ah, et là, il me faut du feu là. Ah oui, transporter le feu, bien oui, bien sûr, mais c'est bien sûr. Hop. Pidubidubidubi. Oh. Ok. Ça du coup, où est-ce qu'il faut que je le mette? Sauf depuis l'autre côté. Mm-hmm. Du coup là on peut aller passer par là. Alors, on va taper les ennemis en pyjama. Bon pour l'instant c'est sympa hein. Ok. Jusque là tout va bien. Ah merde. Je parlais trop vite. Je suis sûr qu'il faudra pousser le cube là, de ce côté là. Aïe. Bon, les ennemis sont pas très très vifs hein. On les tape et puis nous contre même pas. Faut juste pas être dans leur champ de vision. Hop. On ramasse et on bouffe leur cœur. C'est tellement métal. Là, on a des bombes. Adore être allumée. Elles ne vivent que pour ça. Ouais. Oula. Ouais. Un coffre. Oh, de l'or. Ouh, bah c'est généreux, dites-moi. Ah bah, purée. Après, je sais pas si, si c'est l'inflation sur cette île ou pas, mais... Ok, c'est quoi, ça? Ils ont pris l'argent dans notre déjeuner. Oula. Jardin des téléporteurs. D'accord. Un raccourci chez Ethan. Oh, c'est encore toi, tu as trouvé du poignon? Oui.
C'est l'épée de feu, une lame magique qui brûle en permanence. Elle est à toi pour seulement 200$. Oh bah oui, c'est ça qu'il me faut. Je n'ai pas l'épée elle-même, mais je vais t'envoyer aux grottes toastées où tu la trouveras. Ça marche pas, non, ouais. C'est le sceptre du portail, un bâton magique où j'ai pas assez d'argent, de toute façon. Sceptre de glace, bon bah, donc faut que je prenne que l'épée, du coup. Ah, ok, d'accord. Mais j'avais encore d'autres trucs à explorer dans le château, wesh. Non, c'est pas grave. Ok. Du coup, il faut que je trouve l'épée de feu, maintenant. Oui. Merci professionnel. Bon, bah, on va explorer, écoutez. Hein. Ah bah voilà, ça y est. C'est rapide. C'est une épée de feu. J'imagine qu'à partir de maintenant, c'est comme si ton bâton était en feu en permanence. Tu peux faire fondre la glace, allumer des feux, des torches et tout ça. Et surtout des bombes, mais oui. Et du coup, je peux... Enfant... Hop, hop. Pas une bombe. N'est pas quoi? Une bombe triste, qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, d'accord, j'ai... Poum. Ok. Oula. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bloque les... Ah, il bloque la route à l'ennemi, d'accord. Une patate de feu. Ah bah ok, c'était radical. Oula, attention. Casse-tête chinois. Péter tout ça, là. Bah, c'est assez sympa, mine de rien. C'est très simple, on va dire, très simpliste, mais ça n'est pas moins amusant. Cependant, je crois que j'ai peut-être fait une erreur, là. En poussant un peu de n'importe comment. Ouais, j'ai fait une erreur, n'est-ce pas? C'est pas grave, on va recharger. Tac, ça, ouais. Oui. Mince alors. Là, oui, faut que je pète les bombes, mais... Ah oui, si j'avais pas vu là. Tac, tac, ok. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Est-ce qu'il y a autre chose en bas? Ok, bah je peux passer par là. Peut-être qu'il y avait un autre passage, je sais pas. Tout pété. Non, fallait pas tout péter. Ah, fallait peut-être juste pousser les... Merde. Certains cubes et pas d'autres, ok. C'est pas grave, on va repartir. Peut-être juste en pousser... Alors, on va péter celui du milieu. Enfin, quoi, il en faut peut-être que 4 si je fais ça. Ah, c'est ça, faut éteindre les... comment dire, les foyers. Ok. Ah non! Oula! Ah par contre ça va loin. Ça glisse. Ah merde! Ah zut! Zut zut, j'ai mal joué. Mince, mince, mince. Bon, on va recommencer, on va essayer de faire ça plus intelligemment. Ne pas tout péter. Que je fasse juste alors ça, oui. Tac. Tac. Oula, j'en ai pété deux. Ça c'est bon. Tac. Ok. Tac. Ok, ça devrait le faire là. Tac. Et tac. Voilà, parfait. Les bombes peuvent être poussées. Oui, j'avais remarqué.
Ouais, est-ce que c'est le bon chemin? Ouais. Ouais. Voilà. Il y avait une petite indication au sol. C'est vraiment très simple, hein. Je veux dire, il n'y a vraiment pas trop de difficultés. Enfin, très accessible comme jeu. De 7 à 77 ans, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai ouvert là? Oula. Je pète un peu tout n'importe comment sans vraiment savoir ce que ça fait. Est-ce que j'ai loupé quelque chose ici? Non. Aïe. Je pense que j'ai merdé quelque part. On va recommencer et on va... Alors ça c'est tout moi, ça je dis que ouais c'est facile et tout, c'est accessible, et puis après je galère sur une énigme complètement... Oh là il y a un truc à faire là. Parce qu'il y a des indications au sol. Ça a ouvert ici. Ça, qu'est-ce que je peux en faire de ça? Ah ah! Ok. Attention au picot là. Ok. Merde, j'ai fait le con là. Zut. Merde, on va ressortir, c'est pas grave. J'aurais pas dû pousser la dalle jusque là. Ah, faut que je fasse gaffe là. Faire attention l'ami. Voilà, bouffe. Alors récupère des petits cœurs. Ok, on arrive ici. Tac. Tac. Et merde. Décidément. Tac. J'ai encore fait le con, n'est-ce pas? Ouais. Alors, on a dit. Sans ça, j'ai pas le choix. Voilà. Il faut que lui, je le pousse comme as. Voilà. Pas compliqué pourtant. Voilà. Oula, ça sent le boss, ça. C'est Zoro. Ah, signorina. Je vais ouvrir. Ok. Tu n'as absolument aucune idée de ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Exact. Moi non plus. Regarde. Ok, ça me va. Allez, premier combat de boss. Ah, yo. On va allumer les... Ok, ça fait une bombe. Tu bouffes? Oula, pourquoi il y a des hamburgers là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas les Pokémon qui nous attaquent, c'est les hamburgers, et je suis mort, ok. Du coup, on peut pas attaquer en diagonale, enfin... Il y a une portée un petit peu limite. Enfin, limitée. Oui, j'ai déjà eu le... Je peux voir les tips, pousse cette bombe et allume là, puis tu vas tirer l'expression, tu peux aussi attaquer pour qu'il arrête de bouger. D'accord. Je sais pas depuis combien de temps se fait cette vidéo, mais comme je vous dis, je m'amuse bien dessus, donc... Raté, René. Il est où? Ah, approche. Merde. Du coup, j'ai pas fait de dégâts, si. Est-ce que ça aura suffi? Ok, à nous deux, les pancakes. Fasse gaffe quand même que je vais mettre bien sur... Ok.
Il n'y a pas de petit cœur, merde. On dirait vraiment le Pokémon Flobio, vous savez, dans la troisième génération. Un Gobou ou Flobio, plutôt, faire son évolution. Ok. Ok, faut que je fasse gaffe, là. Ok. Merde. Bon, on va se concentrer un petit peu. C'est de ne pas perdre de vie bêtement. Allez. Faut tout faire gaffe lorsqu'il se met un peu en rouge, là. Voilà. Approche ici. Voilà. Non, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ah, foiré. Zut, je l'avais eu au début, puis là, j'arrive plus à l'avoir. Allez, là, on va faire gaffe. Et merde. Un petit cœur. Ah, voilà. J'avais faim. Voilà, on a vraiment une portée super limitée. Hein. Ok. Ok. Allez, balance la bombe. Non, mais reste là. Oh, ensuite. Je vais pas l'avoir. Hein. Ah, le mauvais. Je me bats contre des pancakes, lol. Fasse gaffe là qu'il se retombe pas le pangolin. Ok. Vais-je l'avoir cette fois-ci? C'est moins sûr. Ah. Approche, 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 approche. Oui, 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 oui. Ah non, pourquoi il a attaqué? Oh, chier. Il était dans le champ d'action là. Franchement, là, je peux pas faire autrement. Hein, j'ai pas son timing en tête, je sais pas quand est-ce qu'il va bouger, donc je peux pas faire vraiment autrement que bah, de réessayer. Maudit soit-tu le pancake. Je sais pas si c'est des pancakes d'ailleurs. Raterné. Et approche, 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 approche. Là. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Parfait. Ah non! Oh non, il était dessus, là! Ah, j'ai le seum. Mon dieu, quelle horreur. En plus, je sais même pas combien de temps il faut faire ça, enfin, combien de fois il faut le faire. Reviens ici, toi. Pas de cœur. Oh, voilà. Allez! Eh, faut que tu préviennes quand tu attaques. On va le laisser là. Maintenant. Allez, 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 allez. Oh putain, encore. La même, quoi. Chier. Ça devient un peu ennuyant, là, hein, je vous le dis. On va recommencer la même action sans que ça réussisse. C'est bon, il y a 4-5 fois, là. Je peux pas faire autrement, quoi. Esquiver, ça va, j'arrive à le voir venir, mais... Oui, c'est bon. Bon, je me suis pris des dégâts, mais au moins je l'ai touché. Il m'a mis deux pancakes dans la tête, là. Ok. Je le sentais venir, ça, en plus. Voilà, et un petit cœur. Oh, chien. Ça va être Tordax, hein. Faut que je fasse gaffe. Non, purée, c'est pas possible. Oh là 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 là. Oh, c'est traître. Bon, bah, on va réessayer. Si c'est trop long, sinon je l'aurais passé au montage. Oui, oui, on sait que c'est terrible. Thank you.
Ok, je pense avoir un peu eu. Enfin, j'ai un peu une idée pour savoir comment la tirer et tout. Enfin, putain, faut que je fasse gaffe là. Un cœur, voilà. Maintenant, on évite de se faire attaquer. Recule. Ah putain, puis le temps que. Quand j'attaque, je peux pas le reculer. Enfin, je suis vulnérable en fait. Je peux pas faire grand chose d'autre. Ah non. Explose, 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 explose. Ah, purée, ça n'a pas marché. Cœur, hop, ah zut. Allez. Oh, le truc, c'est ça, que les pancakes, il faut les avoir en deux coups, sauf qu'on ne peut pas reculer, en fait. Ah, ça, j'étais assez loin, mais... Ok, le cœur, en espérant qu'il disparaisse pas. Il faut que je mette dans l'axe de la bombe. Maintenant. Oui. Yes. C'est passé. Un truc à récupérer sur lui, non? Ok, on progresse. Coffre. Kazako. Eh, hey, c'est un morceau de papier, scotche-le à ta barre de vie et trouvons-en d'autres. Oh! Ah oui, d'accord, ouais. Il faut que j'en trouve au moins 3 autres pour finir. C'est 20. Cher aventurier, pour votre confort, les donjons ne contiennent aucun objet ou coffre que vous pourriez manquer. Oui, c'est gentil, merci. Oula! Des oignons qui peuvent voler. C'est original. C'est original. Il me regarde celui-là. Aïe. Ok, rien de plus ici. Kevin légendaire, West Grenoble, le château, d'accord. Map. Voir un peu où on est. Ok, bon, on va voir un petit peu ce qu'il y a là sur notre gauche. Oh! Bon bah on fait un peu d'exploration, c'est pas grave si on suit pas trop le... Je dirais le chemin. Allez. Oh, dommage qu'on puisse pas voilà, toucher en diagonale. Et ça ne fait strictement rien, et je pense qu'il fallait faire autrement. On va réessayer. C'est-à-dire, il fallait faire... Ah putain, il y a un casse-tête là. Non. Il y a un truc à faire. Inévitablement. Inexorablement. Ouais. Je peux rien pousser, donc il faut que j'en pète un, mais lequel? Puis on va tous les essayer. Après, c'est ouais, dans quel sens je les pousse. Mince, ça va pas être bien compliqué pourtant. Accessible, n'est-ce pas? Réfléchissons. Si je pousse celui-là, enfin si j'attaque celui-là. Ah, est-ce qu'il faut pas que je les pousse vers le bas plutôt? Euh...
Zut, bon bah si je galère trop, c'est pas grave. Ça fait un peu chier quand même. Faudrait pas que je pousse vers le bas, peut-être, je sais pas, peut-être un truc à faire. Bon. Ah non, ça va pas être ça. Bon, je sais pas, enfin, je vais demander une dernière fois, puis si j'arrive pas, c'est pas grave. Il ne peut pas donner des dégâts du feu. On dirait que tu n'as besoin que de l'épée du feu pour cette salle. Comment je le sais? Fais-moi confiance et tout. Que de l'épée du feu? Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai que cette arme-là, donc je peux pas faire autre chose d'autre que... Il faut que j'arrive à mettre un bloc là-bas. C'est-à-dire sur cette ligne-là. Est-ce qu'il faudrait que je le mette? Il faudrait que je le bloque en fait. Misère de misère. Je suis en train de réfléchir là. ça paraît simple comme ça, mais c'est plus compliqué qu'il n'y a l'air. Qu'il n'en a l'air. Faut que j'en pète un, on est d'accord. Allez, je vais pousser. Je vais pas les tirer non plus. Que j'ai une idée, c'est-à-dire qu'il faut que j'en mette deux là-haut, là, comme ça, deux à aligner. Mais si je pète celui-là, sans doute fait une erreur, mais bon bah écoutez, je m'avoue vaincu. Ça va pas être bien compliqué si vous avez eu je dirais l'astuce, dites-le moi, mais je sèche. Parce que je loupe un truc qu'il faut que je fasse et... Enfin, je sais pas. Je ne sais pas, bref. Poursuivons notre aventure. Attention là. Est-ce que je pourrais aller vers le château? Oula, il y a du monde là. Nord-ouest, sud-ouest, sud-est, le château. Une caverne ici. Encore une énigme. Oula. Où il y a du monde là-haut? Où il y a du monde là-haut? Ok, fight. Ah, faut que je fasse gaffe. Ah, purée. Je vais mourir. C'est super dur, hein. On peut. Voilà. Ça paraît pas comme ça, mais. Voilà, je suis mort. Ok, là, il n'y a pas d'énigme, il y a juste du skill. Ça ne veut pas forcément dire que j'en ai. Que j'ai plus de skill que de réflexion pour les énigmes. Puis on va les attendre là, puis ceux qui passent, voilà. Ça n'a pas l'air d'aller sur notre ligne. Et bien sûr, si vous n'allez pas plus loin. Voilà. Un de moins. Deux de moins. Voilà. Ça va plus vite comme ça. Ouf, fasse gaffe. Ok, il n'y a plus que deux, plus qu'un. Plus qu'un, parfait. Un petit cœur en prime. Et un coffre. Et une autre bout de papier. Ok. C'est bon, les pangolins. Je vais être où là? D'accord. Ok. 4 trucs à collectionner, je sais pas à quoi ça consiste. Exactement. Caverne légendaire, est-ce le château? D'accord. On va retourner là où on était arrivé, je pense. Ah oui, on est surtout. Ah non, c'est bon.
crois qu'on était bloqué. Et là, du coup... Ok. Du coup, on peut aller peut-être revoir le marchand. Voilà, ici. Oh, c'est encore toi, tu as trouvé du pognon? Non, mais je veux sortir de l'autre côté. Voilà. Ouh, il y avait un radeau en vente. Je sais pas, le jeu est super court, sauf j'en ai fait la moitié, un truc comme ça, je sais pas du tout. Voilà, on était là. Et maintenant que j'ai l'épée de feu, voilà, je peux... Je peux... faire ça. Ça me bloque surtout, en fait. Ouais, c'est pas forcément une bonne astuce. Ça me permet de passer, certes, mais... Je peux faire ça... Ah, voilà, super, je vais pouvoir faire ça. Il m'en faut qu'une bombe. Ok. Oh, monster générique grenouille. Se retourner volontiers contre son patron s'il ne payait pas aussi grassement. Aime le skateboard, déteste travailler. Ah bah il me ressemble. Tout un coffre juste pour une carte. Zut, essayons un autre coffre. Quoi, tu veux dire que toutes les cartes qu'on trouvera ne vaudront rien? Voilà comme des vitamines, elles sont là juste pour le goût. Ok. J'ai pas trop compris pour à quoi ça servait vraiment. On va les péter là-haut, je pense, pour progresser dans une autre salle. Tac. Et merde. Peut-être que ça va suffire. Je regarde juste la map. Ok, on a tout exploré autrement. Voilà. Hop. Notre coffre. Beaucoup d'argent. Ah, c'est peut-être me téléporter encore chez... le marchand, j'ai plus son nom en tête. On peut encore aller à l'étage, ouais. On a une salle ici. Beaucoup de choses à explorer, mais derrière. Oula, il nous balance des trucs. Yeah. Je vais te découper en morceaux. Ok. Ah merde, faut arrêter. Ah, ils font mal. Je vais essayer d'esquiver leurs coups avant de. Donc, je peux les avoir par derrière. Attends, deux coups ils nous fument. Ok, un de moins, un petit cœur. Oui. Allez, on peut l'avoir. Ok, c'est bon. Toi là. Ok. Vite. Ouf, t'es limite. Un autre coffre. Oui, un parchemin. Ça, c'est une carte, Camille. Appuie sur le bouton carte pour regarder. Alors, c'est là que sont cachés tous les coffres. Oh, à peu près, c'est grand. D'accord, ok, bon. Déjà, on peut péter ça. Ok. Tac, tac, ok. Parfait. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un autre truc à faire? Non, c'est bon. Je sais pas, ça fait longtemps que je joue là, je sais pas combien de temps du tout. Mais moi, je m'amuse, donc au pire, voilà, j'aurais montré beaucoup de contenu. Oula, oh, on se calme là-haut. Allez. Non! C'est bon. Merde. Ah zut. Mais bon. Que je bouffe ton cœur. Oula. Salut. Aïe 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 aïe. Oh. J'ai esquivé de peu ça. Aïe aïe aïe. C'est dur, arrête de bouger. Ah non. Merde. Pff,
pizza. Oh purée, je l'avais eu, mais... Ah oh, mince. Bon allez. On va y arriver. Ah non, mais j'ai même pas touché. Si, j'avais touché. Faut surtout que j'évite ces picots là. Ouh! Oh non, on m'a touché derrière! Chier! Allez, on s'accroche. Ah mais purée, je la touche pas au début, c'est parce que c'est moi qui me bute. Ce foutu cactus. Et merde. Ça va vite, hein. Oh là là, le mauvais. Bon. On va y arriver. Si c'est trop long, je coupe au montage. Ok. Une fois. Deux fois. Ok. Reviens par ici. Ah, trois fois. Yes. Allez, encore une ou deux fois. Ah. Oui. Encore une fois, ça sera bon. Oui. Yes. Le coffre, on n'oublie pas. Une nouvelle carte. On n'est pas en colère, ne t'amoque pas de cette tenue. En fait, je suis sûr de ne pas rester sur ton... Ok. On progresse. Je suis le meilleur danseur du monde. Mais j'ai rien dit contre. Tu n'as pas l'air très doué en danse. Quel manque de grâce. Mon truc, c'est plutôt résoudre des énigmes. Oh oh oh, résoudre des énigmes. Franchement, où cela va-t-il te mener dans la vie, pauvre sotte? Bah loin, on va dire. Je suis aussi doué que pour réciter l'alphabet en rotant. Ah mais... Je te crois. Ok. Par ici, raccourci professionnel. D'accord. J'arrive pas à le pousser celui-là. Pourquoi je peux pas pousser celui-là? Quel est donc ce maléfice? Ah, parce qu'il faut que je les pousse que sur les trucs bleus là. D'accord. Toc. Hop là. Le petit raccourci. Ah, zut. Là, on fait la map. Et bah du coup c'est assez grand mine de rien tout ça. Astuce conduit le bloc de glace au feu. D'accord. Oula. Oui bah c'est mal parti déjà. C'est très mal parti déjà. Ok non. Démarrer, c'est pas grave. Alors, ah, ok. Il y a un truc à jouer avec ça, là. Aïe. Ah, merde, je l'ai pas fait dans le... mauvais. Là. Alors, faut que je fasse comme as. Ouais. Et que lui... Ok, faut se servir des deux. Ouais, vous voyez, les énigmes, je suis pas si mauvais que ça, hein, ça dépend de certaines. Quoi qu'attendez. Merde. J'ai parlé trop vite. Parce que là, en fait, j'avais idée de faire ça. Comment je vais le remonter, lui? Je peux pas. Parce que là... Là, je suis... Non. Merde, bon. Je pense que j'ai une bonne idée déjà, mais aïe. Mais alors. C'est bon, j'ai trouvé. Enfin, je crois. Oui, voilà. Tac. C'est pas ça, n'est-ce pas? Fuck. Merde. Ah merde, non, j'avais idée. Zut. Le truc, c'est que ils vont que dans une direction et jusqu'au bout, quoi.
Ah non, j'aurais pas dû faire ça, mais non. On va essayer. Je suis pas certain de ce que je fais, à vrai dire, mais... celui du bas là, je peux pas le mettre plus haut, je peux pas le pousser plus haut en fait, donc je peux pas péter plus haut de son cul. Je sais pas pourquoi je dis ça. Aïe. Aurait-il un début d'idée là? Peut-être. Peut-être, je sais pas, je me suis compliqué la tâche, mais peut-être... Ah non, mince, je vais être bloqué. À moins que... Je vais peut-être me rattraper. Tout n'est pas perdu. Si je fais comme as... Tac... Tac... Je pense que je me complique à mort la tâche. Tac, tac. Oui, allez, celui-là, on le met. Donc, on veut qu'il arrive là. Hop. Et voilà. Ta-na-na-na. Vous voyez? Bon, je pense qu'il est peut-être plus simple. Hein, je le conçois. Un autre coffre, mais dites-moi. On va être riche. Moi, je continue à jouer, écoutez. Hein. Alors, oula. Ok. Ah, on est revenu là. Ok, cool. On est revenu là. Et on peut monter dans les étages supérieurs. Mais on peut aussi se téléporter. Ok, d'accord. Du coup, on peut retourner. Ok, bah super. Alors, 200. Oui, ça j'ai compris. 200... Je peux rien avoir avec 200, en fait. C'est de la merde. Bon, c'est pas grave. Ok, ça, c'est tous les portes, tous les portails, tous les portos. Non, ça se dit pas, tous les portos. Et ben, allons à l'étage. Passage feu et glace. D'accord. Ça, je peux pas le pousser plus loin, les gars. Raté, hein. Oh non, le mauvais. Oh, zut. Ok. Un cœur, je l'ai. Allez, plus qu'un. Raté. J'aille. Ok. Comment j'ai poussé cette bombe là? Les blocs portails sont lourds. Qu'est-ce que tu veux me chanter par là, toi? Ah oui, bah oui, je sais qu'il faut se mettre là, mais... je peux pas faire autre chose d'autre. Ok, c'est pas grave. Bon, on va redescendre là. On va refaire un peu le chemin inverse. Alors là... ok. Ah non, non, hop, on va faire un raccourci. Hop, pardon, excusez-moi. Hop, attention à la bombe. Hop, voilà. Par où qu'on était arrivé déjà? Allez, par là.
Merde, je me dis bien. Oh bah, ça y est, tiens. Ok. Lui, là, enfin, l'escalier, on l'avait pas pris. Ni l'autre, d'ailleurs, on n'avait pris aucun. Raccourci professionnel. Mais je peux pas... Je peux pas y accéder, là. Oui. Ok, je me suis chié dessus. Pas littéralement, hein, je vous préviens. plutôt comme as. Ouais, non, c'est pas mieux. Hein. Mais ça, je vais me faire bloquer là. Non, non, non. Est-ce qu'il y a une autre manière de faire? Ouais, je peux faire ça. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Oui. Ben voilà. Alors, je peux faire péter ça. Oula, il y a quoi? C'est quoi? C'est un frigo, ça? Qu'est-ce que c'est, ce truc? Ah, j'ai le vertige, je ne peux pas m'arrêter de voler. Ah. Eh ben écoute, mec, je vais te faire redescendre. Alors, en fait, ils sont invulnérables. Ok, ils sont invulnérables. Je sais pas si vous faire péter la bombe ou pas. Ok, une nouvelle page. Troisième page. Aïe. Paresseur professionnel. Où ça? Où ça, par ici? Ah, peut-être que je mette la bombe là dans le mur. Oui, mais du coup la bombe... Mince. Bon, on va réessayer. Pardon. La grimpe. Donc on a fait tac. Tac, 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 et tac. Est-ce que ça va libérer l'autre? Pas vraiment, en fait. Pas vraiment, en fait. Bon, c'est pas grave. On va... Je pense que je vais terminer là, d'ailleurs. Hop, prendre ce portail-là pour prendre celui-là. Voilà. Prendre l'escalier qu'on n'avait pas pris tout à l'heure. Arrive ici, un coffre. Et à une quatrième page. Tu as trouvé 4 morceaux de papier suffisant pour te gribouiller un autre cœur. Ne demande pas comment ça marche, fais-le, c'est tout. Ok. Ok. Merde. Je suis vraiment mauvais. Pourtant, dans Pokémon, les énigmes, j'y arrivais, hein. Avec la CS Force et tout, il fallait pousser les blocs. Et là, non. Là, voilà. Oula, on s'en fiche de ces blocs, fait demi-tour. Quoi? C'est quoi ce mec? Ouais. Bon, j'ai l'impression que les étages, ça ne sert pas. Ok, bon. Vous savez quoi? Voilà, on va quitter. Je vais juste voir combien de pourcents je fais. 37 minutes, c'est tout? Oh, c'est pas mal. Il n'y a pas de pourcentage par contre pour savoir un peu où est-ce qu'on est dans le jeu, mais bon. On a quand même bien montré du gameplay. C'est sympa, honnêtement, c'est sympa. Je connaissais pas, bon. C'est voilà, plus des énigmes, des petits combats, voilà, c'est pas ouf, mais bon, c'est sympa, ça passe le temps. C'était donc la découverte de Itildew, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt, salut !